Hi there, my name is Yannick Sayer. Voyons aujourd'hui la prononciation des voyelles longues en anglais et leur écriture, et ceci à travers également mon jeu de Memory Cards pour apprendre l'anglais facilement. Excellent cours à tous. Voyons aujourd'hui les voyelles longues en anglais. Commençons par le son A, long, A, comme par exemple, a car, donc, a car, C, A, R, car. A car. Ou pour dire une voiture. Ou encore half pour dire la moitié. Half. H. E. L. Half. Voyons à présent le son E long, comme par exemple a girl, une fille, donc a girl. G I R-L, a girl, a girl, une fille. Ou encore, le mot first, premier. F, I, R, S, T, first. Un son E long, first. Passons au son I long, I, comme ici, a sheep. Voilà. A sheep, un mouton. A sheep. S H double E P. A sheep. A sheep. Ou encore, pour le bonbon, a sweet. A sweet. A sweet. S, W, double, E, T. A sweet. A sweet. Passons à présent au son O ouvert, fermé, pardon. O fermé, O, ou encore le son O, un O, O, que l'on trouve dans les mots, comme par exemple ici, a ball, a ball, a ball, b, b, a,
Double L. Oops. Up. Double L. A ball. Avec le O fermé. A ball. Avec le O ouvert, vous aurez, par exemple, ici, le chiffre 4. 4. F. O. U. R. 4. Le chiffre 4 en français, terminant avec la voyelle U, que l'on prononce U, très allongé, U, comme dans le mot shoe, voilà, a shoe, une chaussure, a shoe, voilà, a shoe. S H O E E A shoe. Ou encore un autre mot comme blue, la couleur bleue. Blue. B. L. Alors. U. E. Blue. La couleur bleue. Pour apprendre l'anglais facilement, je vous conseille les jeux. Ici, j'ai créé donc des jeux de memory cards, comme ceci. Ou ici, nous avons donc deux par deux. Je vous rappelle, a car, half, girl, first, sheep, sweet, ball, four, shoe, blue. Le jeu consiste à retourner toutes les cartes, comme ceci, donc déjà les mélanger, voilà. Une fois qu'elles sont mélangées, eh bien, vous pouvez donc les retourner comme ceci. Et je vais en mettre que quelques-unes pour qu'on voit. Et il va vous suffire de retourner chaque carte, par exemple celle-ci, a quart et half. Ici, eh bien, nous n'avons pas la même image, donc on a perdu. Si, par exemple, vous aviez eu les deux images, comme par exemple ici, vous auriez gagné un couple, donc un couple d'images, avec half, donc je ne sais pas si on voit bien ici, half, voilà. Et vous auriez eu le droit de rejouer une nouvelle fois. Et bien sûr, c'est celui qui aura gagné le plus de couples qui aura gagné. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.